Donc hier, je fais un retard, je n'ai arrêté à que ça, mais aujourd'hui, c'est la cour qui a énormément de problèmes procéduraux qui fait tout attendre depuis le matin. Donc, quel est le sentiment? Je suis un peu déçue parce que je pense que pour ça, une amende de 600 roupies, je pense qu'une journée depuis 9h30, j'ai quitté encore mes enfants et passer une journée ici, c'est un peu ridicule. J'ai fait par accident, je n'étais pas en retard par exprès, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu trop. Mais pour... Que la cour a décidé? Je dois payer 600 roupies. Donc, toute une journée passée pour seulement une amende de 600 euros. Oui, c'est ça. Mais la prochaine fois que vous devez reporter au poste de police, est-ce que vous allez prendre des précautions, aller un peu plus tard? Je vais essayer de ne pas oublier, mais ça arrive des fois, on est humain. Donc, c'est 3 fois la semaine, donc je vais essayer la prochaine fois, quand je vais en cours en avril, d'avoir qu'un ou deux jours pour me faire aller à la poste, à la police. Mais quelle est la raison exacte de votre retard hier? J'étais loin de Python et le temps qu'il y avait des trafics, je n'ai pas pu rentrer, j'étais 5 minutes en retard. C'est que le trafic. Je pense qu'il y a le minimum de... 5 minutes, c'est pas life and death. So. It's not like I said, the policemen have been very nice and very respectful and professional, and I appreciate that. But I think next time they need to be more considerate towards humans. Not just me, anybody in Mauritius that goes through this situation. Grand du monde et petit du monde. Est-ce que quand il y a deux poids deux mesures à vitesse là? Ah oui, mais je comprends pas comment les gens qui ont condamné à Maurice, qui voyagent, qui font ce qu'ils veulent, ils vont pas à la police et moi j'ai tout ça. Donc oui, on peut dire ça à Maurice. Ah, aussi pour vous, pareil. Ah.